de EPAS TV, bonjour et bienvenue sur un nouveau numéro de votre émission Talk Show. La question du jour, c'est de savoir est-ce qu'il y a un âge fixe pour perdre sa virginité. On ira écouter l'avis de quelques citoyens sur cette question. Pour perdre sa virginité, c'est 18 ans. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Même pas nos toilettes intimes, tu peux être vierge. Ça dépend de la manière dont chaque femme fait sa toilette intime. Donc, ça fait que d'autres filles sont déviergées par leur toilette intime. Mais l'âge normal, c'est 18 ans. Et vous, à quel âge vous avez été déviergée? À 18 ans. Sérieux? Oui, à 18 ans. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était pas la joie. Hein. En tout cas, le premier jour, ça n'a pas été facile avec l'écoulement de sang. Mais quand je l'ai fait une, deux fois... Il n'y a pas un âge fixe pour la question de la virginité. Ça dépend de l'éducation, de l'influence du milieu, la conception de chacun. Ça dépend. Et vous, vous êtes encore vierge? Oui, oui. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Vous êtes encore vierge? Parce qu'on me dit à la maison que je dois, c'est après le mariage, je dois connaître l'homme, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé ma virginité jusqu'à présent. Pour moi, c'est 20 ans. 20 ans, pourquoi vous avez choisi 20 ans? C'est à cause du travail, mais sinon bon, maman et papa là, à cause du travail, c'est ça. Vous avez choisi 20 ans. Et dites-nous, votre femme, elle avait eu quel âge? Mon femme ou bien? Je parle de votre femme. Moi? Ah, c'est bon, 20 ans, 25 ans. Il n'y a pas d'âge parce que aujourd'hui, on voit une fillette de 12 ans perdre la virginité parce que, bon, à cause de la voyoucrasie. Sinon, la femme qui est déjà mûre, qui a déjà quelque chose pour aider son mari, va perdre sa virginité pour pouvoir construire l'enfant. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ont perdu leur virginité à cause d'accidents. Je dis à cause d'accidents parce qu'il y a des élèves, des petits élèves qui ont perdu leur virginité à cause de leur professeur viril qui, eux, ils doivent goûter ce qui est à l'intérieur de cette fille, de cette fillette avant de lui donner de notes. Moi, j'ai pris une vieille femme, hein, qui a déjà 30 ans avant de qu'on s'est connu. Hein. Donc. Avant qu'on s'est connu. Elle avait déjà 30 ans avant qu'on s'est connu. Y a-t-il un âge fixe pour perdre sa virginité? Mesdames et messieurs, c'était notre question du jour. Vous avez écouté la réponse de quelques-uns. Alors, si vous aussi vous nous suivez, nous attendons vos réponses en commentaire.